tout le monde, c'est Sifano et bienvenue dans ce 10e épisode d'American McGizalis. J'espère que vous allez bien. J'enchaîne mes petits épisodes d'avance puisque je suis toujours en déménagement, n'est-ce pas? Donc, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la dernière fois? J'ai fait l'aller-retour avec la caverne de l'oracle pour récupérer mon bâton. J'ai fait une safe state ici, comme ça on sera plus embêté. Et donc maintenant, on doit aller au palais de la reine qui s'est ouvert pour trouver les autres objets du bâton de Bouchou-Mouchou, là, un truc comme ça. Hein, et une fois qu'on aura assemblé le bâton, on pourra détruire le bras droit de la reine. Et je suppose après la reine... Bon, la reine, je pense que ce sera plus après. Je sais pas, quelque chose me dit que ce sera un peu plus après l'arène. Peut-être même que c'est le boss final en fait, tout simplement l'arène. Ouais, ce serait pas si étonnant que ça, que ce soit le boss final. Alors par contre on va quand même y aller mollo avec eux parce que c'est des petits, tout ça on s'en souvient, mais ils peuvent quand même me faire mal. Ah oui, alors par puisque contre... Puisque tu sais comment bouger les pièces, autant prendre les blancs. Ils jouent en ah mince, il m'a dit quelque chose qu'il m'avait pas dit la dernière fois je crois. Ah zut, mince, je suis désolé, je vous ai passé un dialogue. Et je suis très juste niveau vie. Ok, d'accord, en fait je me battais dans le... Je tirais des trucs qui servaient à rien, quoi, en gros, ça. C'est ça que ça veut dire. Hop, tu vas passer par là direct, on va pas perdre de temps. Et là, on va pas perdre de temps non plus, vous savez quoi? Yop! Yop! Allez! C'est... Non! Je suis mort devant! Ok, j'ai voulu être trop gourmand, ok. Pardon. C'est juste que je veux récupérer plus vite le truc. C'est pas grave, on va la refaire. On reprend d'où? Ah ouais, on reprend de là du coup. Bon, c'est pas grave, ça va, ok, je vais le faire réglo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je trouve que... On enchaîne plutôt pas mal les épisodes ces derniers temps. Il y a eu la, les triples épisodes horribles là, 4, 5, 6. Mais depuis, je trouve que ça va beaucoup mieux. Perso, hein, je trouve que ça, ouais, je devrais utiliser ça, ça marche super bien sur eux. Ils peuvent pas m'attaquer de loin et tout. Je trouve que ça va beaucoup mieux. Même si bon, on n'a pas une, on progresse à notre rythme quoi, mais déjà il n'y a plus de la rage, on avance un peu d'épisode en épisode. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus sain, disons, n'est-ce pas? Moi je m'amuse déjà, parce que autant vous dire que l'épisode 6, vous en souvenez, je m'étais juste pas amusé quoi. Donc là déjà je m'amuse, point important. Alors. Si tu sais comment bouger les pièces, autant prendre les blancs, ils jouent en premier. Un tel ordre au milieu du chaos me laisse perplexe et désorienté. La régularité du plateau dissimule la nature prédatrice de certaines pièces. D'accord. Au moins, c'était un mal pour un bien cette mort. Au moins, on aura vu ce qu'il avait à nous dire. Super. Hop, on passe ici. Et on le gèle. Voilà. Ça, tu dead. On récupère ça. On récupère ça et on va se faire eux. Eh, tu vas mourir toi aussi. Voilà, comme ça on y arrive tranquillement, sereinement, même s'il y a l'autre là qui me tire dessus. Après, il y a des endroits cachés, genre ici et tout, mais bon. On sait un peu ce que ça dissimule, ce genre de truc. Toi, tu meurs. Et voilà, cette fois on est bon. Le pays du miroir. Oh, regardez le... Le royaume blafard. C'est stylé, moi, je trouve, l'image qui se dévoile petit à petit. Je trouve ça très sympa. Je trouve ça vraiment très sympa. Et celle-ci, en particulier, est très jolie avec le palais. Ouais, très sympa. Alors, voyons voir l'intérieur. Oh. C'est en noir et blanc. Ah, ça me rappelle Dragon Quest, l'intro en noir et blanc. Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit, le meilleur. Ah, quoi que je sais pas si c'est le meilleur. Ok, on est en noir et blanc. Pourquoi pas? Alors, qui sont mes ennemis? T'es un ennemi, toi? What? Ah, d'accord, c'est comme une partie d'échecs. Ouais. Je comprends mieux ce que me disait... le... copain.
Faut que j'avance sur les blancs seulement. Histoire de pas être pris pour un fou. Je suis mort. Je me suis pris une pique dans la tête. Je suis mort. Ok. Non, on va quand même sauvegarder ici. Ok, donc on va faire une partie d'échecs. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. Je regardais le sol pour les couleurs et pas le plafond. Alors par contre, avant d'aller là, moi j'aimerais bien explorer un peu tout. Genre ici c'est de la water. Ok. Ici il y a quoi? En gros je peux rien faire pour le moment. Ouais, je suis obligé de passer par là. Très bien. On est parti. Alors, faut voir où il y a les pics. Là ça va. Là ça va, sauf que je peux pas passer. Je peux aller là, mais c'est des... Si je passe là, ça va. Ça a l'air d'aller, les pics, là. Il n'y a pas l'air d'y avoir de pics qui descend, là. On avance plutôt bien. Vu que c'est un peu long, on va faire une save. Mieux vaut prévenir que guérir, comme j'ai coutume de dire. L'énigme du Bombix, il faudrait peut-être changer le nom. Ok. Alors. Ah, par là, je peux pas passer. Hop. Ok, j'ai voulu aller trop vite avec la caméra. Ok. J'ai bien fait de sauvegarder. J'ai bien fait de sauvegarder. Le royaume blafard, nanana. Ok, donc allez, vas-y, reprends. Là, tu vas tout droit. Tu vas là. Là, tu vas là. Alors, ici, de toute façon, ici, il y a une pique. Vous voyez, il y a les pics là qui descendent dans les bois. Ici, il n'y a pas. On peut passer. C'est chelou que ce soit en noir et blanc comme ça. Ça me rappelle, comme je vous disais, la cinématique de Dragon Quest 8. Ce jeu est tellement bien. Je vous le ferai un jour en let's play. C'est mon Dragon Quest préféré. Il est vraiment génial. Allez, c'est parti. Mais il sera très long, peut-être en live, on verra. Oh, obéis. Nanana. Pardon. Casse-toi. Veux-tu? Merci. Y a une arme là, mais bon. Une arme ou y a quelque chose en tout cas. Ah, y a la deuxième partie. Ah non, attendez, c'est un bâton amélioré qu'on m'a filé. Ça, c'est un bâton amélioré. J'ai l'impression que les boules que je lance sont plus de la même couleur. Ce sera un bâton amélioré. Par contre, vous me saoulez. Vous arrêtez. Tout de suite. Merci. C'est quoi, c'est gros là? Hop. Où est-ce que je peux aller? Je peux toujours pas grimper. Sur les côtés, ça a l'air bel et bien d'être ouais, d'être clos. Donc c'est en face a priori hein, qu'il faut que j'aille. Je regarde bien mais non. Oh là. Ah. Il y a encore quelqu'un là. Ah là il y avait pas quelque chose là. Ah non ouais, j'ai cru que c'était à l'intérieur mais en fait c'est ici. Qu'est-ce que tu veux? En gros, tout ce qui est de couleur, c'est les choses avec lesquelles je peux interagir. Ennemis comme copain. Donc ouais, s'il te plaît. Donc ouais, non. Qu'est-ce que je dois faire? Ah non, ça peut s'ouvrir, j'ai rien dit, il y a des choses à voir. Du coup, ça doit être pour après, attendez. Eh oui, regardez. Bon, là, c'est que de la vie, mais... Du coup ici ça s'ouvre? Ça s'ouvre pas. Ici est-ce que ça s'ouvre? Ça s'ouvre, il y a les copains. Bref toi aussi, voilà, donne-moi de la vie. Même si là niveau vie on est plutôt... ça va quoi.
Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça ouvre des deux côtés. Ici, c'est au début. On est revenu à la fenêtre du début. Je peux pas aller en face. Je préfère peut-être pas le tenter en face. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il m'a l'air un peu chaud. Par contre, ici... Ouais, je suis sur le dessus. Sauvegarder. Sauvegarder tout de suite. Un truc pareil, je ne passe pas sans sauvegarder. Je vous le dis, c'est juste pas possible. Sauvegarde, vas-y. Ok. Voilà. On est passé. Waouh, c'est qui eux? C'est les fous. Nous avons les fous. Bon, faut jouer un peu aux échecs. Je sais pas si c'est les fous. Enfin, au début, on a les pions. Après, on a affronté des cavaliers. Et là, je crois que c'est des fous. Je dirais à peu près, quoi. Des genres de fous. Je vous raconte pas quand on va tomber sur le roi ou la reine. Aïe, 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 ça va faire mal. Non, mais c'est là, c'est franchement stylé, cette zone. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette zone. Salut, bonjour, qui es-tu? Puis-je t'aider, petit pion? Genre! Quelle enflure! Non, le petit pion! Non! Pauvre petit pion. Il avait l'air tout gentil, tout mignon. RIP. Je veux que de RIP, le petit pion! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs, des fois, je sais pas ce que je ramasse. Peut-être que vous me le dites, mais je le saurai que à mon retour, donc... Enfin bon... Une fois que je serai posé chez moi, donc je suis désolé, pour le moment je peux pas savoir. Un levier. Intéressant. Qui va m'ouvrir le pont, j'imagine. Le pont-levis du gars. Ouais, enfin ça m'ouvre une porte en fait, j'aurais cru que c'était un pont. En fait, pas du tout. Bref, c'est parfait. Ouais, tu m'as ouvert ça, très bien. Là, il y a quoi? Ah bah là, il y a plus rien. Eh bah alors, on y go. Je vais me faire attaquer, non? Il va y avoir des ennemis qui vont venir. Non, il n'y a pas un fou, un cavalier ou... Bref, suivons-le. Et je sais que j'utilise beaucoup cette arme pour le moment. Je suis désolé, je sens que ça va en gêner certains que j'utilise tout le temps la même arme. Mais pour le moment, c'est ma plus puissante. Donc j'ai vraiment envie... J'ai vraiment envie de m'en servir, quoi, vous comprendrez. Oh, vite, 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 faut le défendre, lui. Tu le laisses. Tu le laisses, copain, tranquille. Copain comme cochon. Allez, ceux qui auront compris la référence, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est copain. On l'a appelé copain comme cochon. Wow. Toi t'es pas un cochon, toi t'es un cheval. Casse-toi de là. On va save un coup. Hop là. On progresse bien dans cet épisode, ça me fait plaisir. On a galéré les 3-4 premières minutes, mais là on avance bien. On a vraiment le sentiment de bien avancer également, donc c'est plutôt cool. Tiens, il y a des gens qui me demandaient un peu, faut que je le protège lui, comment ça se passe? Non, je peux pas lui parler, Nia. Des gens qui me demandaient au niveau de la durée de vie, l'autre jour. Faut savoir une chose, je ne m'aide pas d'une solution, ça faut que vous le sachiez. Mais souvent, dans mes let's play, pour savoir à peu près où j'en suis, pas tout le temps, mais de temps en temps, je vais voir par exemple sur, sur jeuxvideo.com ou sur d'autres sites, la soluce. Parce que souvent c'est répertorié justement par chapitre ou par partie, vous voyez ce que je veux dire? Et genre là, le Bombix, c'était la partie, j'ai regardé avant de démarrer l'épisode 8, donc avant le Bombix, c'était la partie 10 sur 30. Donc ça vous donne un ordre d'idée à l'épisode 8. Donc je pense que ça va faire entre, on va dire, on va tabler large, on va mettre entre 15 et 25 vidéos, même si je pense que ce sera plus que 15 et je sais pas si ce sera jusqu'à 25, mais voilà. Après je regarde pas la soluce bien évidemment, mais... j'ai coutume parfois d'aller regarder un peu. Alors c'est sûr que ça me spoil un peu sur la durée de vie, mais bon, au moins j'arrive à peu près à savoir où je me situe, quoi. C'est pour savoir si je me traîne ou pas. Vous voyez, par exemple la partie 10 sur 30, je considère que même si on s'est traîné à un moment, ça va encore, parce que
Bah parce que voilà, ça fait à peu près un peu plus d'une partie par épisode. En sachant que les parties, c'est des petits trucs vidéo de 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh. Faudra que je fasse gaffe à lui, je sens. Donc je pense que vous... Oh oh, on est un cheval. Je pense que vous voyez. À peu près. Et je trouve... Enfin voilà, donc je trouve qu'on a un rythme à peu près correct. Ça pourrait être mieux, c'est sûr, mais bon. On va pas non plus rusher le jeu. Alors là, faut que je fasse quoi exactement? Faut que je me déplace encore, mais... Je préfère safe parce que j'ai vu les pics devant moi. Juste que je me déplace, quoi. Juste que je me déplace vivant, je peux pas aller par là. Si je vais là, je... Voilà. Je meurs, c'est ce que j'allais dire. Chargé. Faut que je contourne. Il faut que je contourne. Hop, alors. Je vais contourner par là. Pourquoi il me fait faire ça? C'est un malade. Ça à chaque fois le truc. Pourquoi il peut faire ça? Ah là il me laisse y aller cette fois, j'ai pas trop compris. Des fois il me laisse pas y aller, des fois oui. Parce que là lui c'est de noir en noir le. Ça j'avais compris que c'était de noir en noir. C'est bon, je peux pas redevenir Alice là? C'est bon, on a réussi non? Merci. Save. Désolé, beaucoup de sauvegardes, mais vu qu'on progresse bien, j'ai pas envie de me retaper le chemin derrière. Hop, 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 sauvegarde. Allez. Tu peux le faire, you can do it. Wow. Donc ça veut dire que si je me remets ici, il faudra que je m'apprête à me faire attaquer par un fou à chaque fois. Y a des petits pions. Qu'est-ce que... Alors, ça va un peu dans tous les sens. La corde. Je pense que là c'est la bonne route. Maintenant on va vite fait aller checker ici s'il n'y a pas quelque chose qui s'ouvre ou quoi. Mais je ne pense pas. Non, vous voyez là-bas il y a de l'endurance. Et encore je peux même pas, c'était avant. Ok, c'est pas grave. Allez, avançons. Progressons tranquillement. Hop. Tu peux t'ouvrir toi? Non. Ah! C'est un petit peu plus problématique. Ah ouais. Un petit peu beaucoup plus. Ça, ça veut pas s'ouvrir. À la rigueur, je vais vous dire. C'est pas grave. Mais du coup, je vais où, moi? Faut que je me retransforme en cavalier pour aller ici ou... Ah, là. Ouais, là. Ok, j'avais pas bien vu. Donc... Je l'ai, s'il vous plaît. Merci. Give me the life. Thank you. Hop, the life. Là, la vie, je la prends pour le mana. Et ensuite, on grimpe. Oh, tiens. Récupérons. Hop là. Thanks. Alors, pour sortir, c'est par ici. On est où là? On est vraiment... On est de plus en plus haut. Tu me touches pas, tu me toucheras pas. Non, je crois pas, merci. On est de plus en plus haut. Ça se passe bien, hein, cet épisode. Purée. En même temps, je préfère ce genre de niveau, vous voyez. Par exemple, au niveau avec les insectes et tout. Je préfère ça. Ah, et là, on va ouvrir quelque chose. Je suis prêt à vous parier que ça a un rapport. C'est de l'autre côté. Voyons voir qu'est-ce que ça ouvre. Mais je... Ça doit avoir un rapport avec... Hein? Ça fait monter le niveau de l'eau. Mais quel niveau de l'eau? Là-bas? Saute pas. Saute là plutôt. On est où là? Ah d'accord, on est revenu ici. Je vois.
Donc là, je peux aller dans l'eau, normalement. On prend pas de risque, n'est-ce pas? Ne prenons aucun risque. Le royaume blafard. C'est bon? Merci. Je peux aller dans l'eau. Ah, je peux aller sous l'eau, surtout. Et du coup, je peux aller là-dessous, non? Eh. Eh oui. Ah non, bah ok, là, c'était juste pour de la vie, mais... Je vais pouvoir aller quelque part. Ah oui, par là, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis? Est-ce qu'il y a... Ah, et je vais pouvoir ressortir à gauche, là où je pouvais pas passer. Regardez, attendez. C'était où que je pouvais pas passer? C'était là, et je me disais, tiens, par où je vais? Comme ça, maintenant, je peux y accéder. Voilà, regardez, je suis... Attendez, deux secondes, j'ai un petit problème. Cassez-vous. Je suis, regardez, était là. Ensuite, on est passé dans la maison en face et tout. Vous reconnaissez, là, c'était là où il y avait les dalles noires. On est bon. Oh, cette grande porte, les amis. Eh bien, écoutez, cette grande porte qui s'ouvre à nous, ce sera pour la prochaine fois. On va mettre un terme ici à cette petite vidéo qui aura été bien sympa. On aura bien progressé, je trouve qu'on aura un petit peu rattrapé dans le dernier épisode. C'est vrai qu'on a, un peu tourné en rond au final, on avait exploré toutes les zones. Mais bon, c'était pas folichon, je vous l'accorde. Donc là, on se sera un petit peu rattrapé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve... alors attendez, laissez-moi checker mon petit planning, vu que c'est pas les horaires habituels. On se retrouvera samedi. Rendez-vous samedi 2. Enfin, sauf si... Enfin, si vous voulez être là... le jour de la sortie, sinon vous regardez ça quand vous voulez, mais l'épisode 11 sortira samedi, donc bah, j'espère que vous serez là, et puis bah, rendez-vous donc d'ici quelques jours pour la suite de notre aventure sur American McGee's Alice. Allez, ciao tout le monde.